Vendôme conjugue à peu près tous les avantages, c'est-à-dire la proximité de l'Île-de-France, une qualité de vie et un patrimoine architectural et naturel qui fait que lorsqu'on découvre Vendôme, on aime à y revenir et même à s'y installer. Je suis Pascal Brindeau, député de la circonscription de Vendôme depuis 2019. Et j'étais par ailleurs maire et président de la communauté d'agglomération des territoires vendômois entre 2014 et 2019. Le nom de Vendôme résonne internationalement et on s'est appuyé sur ce nom pour développer une marque territoriale et puis développer une stratégie d'attractivité économique forte avec une réussite majeure à travers l'avenue des ateliers Louis Vuitton. L'avenue de Vuitton, c'est très simple, c'est la conjonction de tout cela, c'est une prospection qui est faite et nous-mêmes élus avec nos services qui avons pu répondre le mieux possible et le plus vite possible aux attentes d'un investisseur qui s'est trouvé écouté, à l'aise, en confiance avec nous et qui a justement choisi de venir à Vendôme pour ça. L'idée, c'était effectivement de créer une marque territorial, encore une fois, pour travailler sur la notoriété de la ville en utilisant ce nom qui immédiatement renvoie à la place parisienne. On a voulu une marque qui effectivement fédère des acteurs économiques, des acteurs culturels, des restaurateurs, des viticulteurs, bref, tout ce qui fait la richesse gastronomique et l'attrait touristique de notre territoire. Je suis fier de l'Loir-et-Cher.